L'œil qu'on ouvre, le poids du temps, la bouche, le bras qui, la rue est pleine, ce temps, pleine de gens exilés, on dirait, s'accroche à vos chaussures. Une impression comme ça, des gens exilés, c'est ce que j'ai vu, la bouche qui demande, l'autre bras aussi, des gestes, ce temps qui emplisse l'espace, vision familière d'un quartier tant de fois, il y a l'eau traversée de la rivière, les commerçants attentifs sans vous en apercevoir. Souvenir. Un visage, de quelle direction, des mots, un regard, le front, une saison, laquelle, une lumière, une forêt, un pansement, un tablier sur une chaise, une année, des souvenirs, quelque chose d'imprécis, des chiffres, un roman lu dans la ferveur, la même chose, une rue et plus rien. Et enfin, dernier texte. Toujours écrire, accorder du temps à, comme une voix, ce chant entendu d'une oreille, un souffle, de l'âme entendue par les pores, une respiration, entendue par la bouche, par les yeux, un allaitement, par tout le corps, peut-être des cris, toujours écrire. Des sanglots, des rires, des silences, résonnent le cœur de l'universel, des onomatopées, des mots. Écrire ça, des mots, oui, des mots. Voilà. Je vous remercie toujours.